Re-salut. Du coup, dans cette vidéo, je cherche à savoir pourquoi mon véhicule tire à droite. Parce que j'ai fait un para qui est normalement bon, mais ça marche pas. Ça tire toujours à droite. Et mes quatre pneus sont usés. Alors que sur le para, quand je mesure tout, mais ça me dit que mon essieu arrière est bien parallèle à la voiture, donc il n'y a pas de problème. Après, peut-être que je me trompe dans le para, mais normalement non. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être que le para est pas bon à l'arrière, donc j'ai refait le para encore une fois, et en fait c'est tout bon. Donc je me suis dit, peut-être que c'est l'avant qui est pas bon, j'ai refait l'avant, c'est bon aussi. Donc du coup, je me suis dit, peut-être que c'est la géométrie qui est pas bonne. Sur le Dacia Duster, on ne peut pas régler la géométrie, ni à l'avant ni à l'arrière. Donc je me suis dit, c'est pas possible, donc j'ai cherché plein d'autres causes, et en fait je me suis dit, je vais quand même regarder si la géométrie est bonne. Donc du coup, dans la vidéo là, je mesure tout. Donc là, j'ai 8,7, 7,2, 7,3, 5,5, 6,5. Comme ça. Donc là j'ai 1 cm de pente. Bon, là c'est pas le problème. De l'autre côté j'ai un bon centimètre 5. Là j'ai un tout petit peu moins de 4 cm. Et là j'ai 4 cm, 4 cm,1. J'ai 2 mm d'écart. Là, j'ai un petit peu plus de 3. Là, j'ai 3,2. Ouais, donc on en revient au même. À l'avance, c'est à peu près droit. Du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai mesuré. Donc à l'avant, mes roues sont à peu près bien au niveau de l'alignement avec mes ficelles. Mais à l'arrière, surtout le côté arrière gauche, là où j'ai mon pneu qui est usé anormalement, j'ai un défaut. Enfin, il est plus important qu'à l'arrière droit. Et voilà, il y a une sacrée différence quand même. J'ai 1,5 cm de différence à l'arrière gauche et presque 1 cm à l'arrière droite. Ce qui ne devrait pas être autant, vu qu'à l'avant j'ai en gros 5 mm, même pas d'écart. C'est étonnant qu'à l'arrière j'ai autant d'écart, mais vu que c'est pas réglable, il va falloir faire autrement. Du coup, je vais acheter des vis excentriques et j'espère pouvoir rattraper le défaut, enfin l'écart, mais c'est pas sûr parce qu'il y a quand même beaucoup d'écart. Hein.